Allez, on va partir là avec nos Benjamin filles. Deux petites finales. Dans cette deuxième petite finale, on retrouvera le dossard 79, Manon Villena de Brétigny-sur-Orge. Dossard 52, Elina Faron, M-Sport. Dossard 57, Léonore Guignon, Asta. Dossard 63, Sarah Lamsadar, Saint-Sébastien. Dossard 70, Laurenta Okpebo de R2CP. Dossard 76, Fatia Sediki, Brétigny-sur-Orge. Dossard 47, Annabelle Cespedes, Bouglet. Dossard 67, Lisa Moranga Pilet de Colmar. Dossard 62, Margot Légneux, Les Fous de la Roulette. Dossard 46, Nesrine Benhamed de Chablais. Et dossard 51, Elijah Duminil de Longjumeau. Et c'est parti pour cette petite finale avec le meilleur départ ici pour l'Asta de Nantes avec le dossard 57, il me semble, Éléonore Guignon. On va essayer de revenir là avec la patineuse de Saint-Sébastien, le dossard 63, Sarah Lamsadar, avec une chute là, la patineuse de Longjumeau malheureusement qui a chuté. Allez, pensant la patineuse de l'Asta qui a quelques longueurs d'avance là sur un petit groupe de trois patineurs composé de Saint-Sébastien, de R2CP et de Bouguenet là qui est en train justement de faire l'extérieur là, la patineuse de Bouguenet avec le dossard 47. Il s'agit de Annabelle Cespedes et voilà qui revient sur la patineuse de tête. Allez, on a deux patineuses maintenant en tête. On a un groupe de 4 par la suite et un deuxième groupe de 4. Allez, on fait l'extérieur avec le R2CP là pour aller retrouver ces deux patineuses de tête là. Voilà, on fait l'effort. Allez, encore quelques mètres et la jonction sera faite. Allez, voilà, c'est fait. Et une fois revenu, à peine revenu, on a la patineuse de Bounella qui fait l'extérieur pour aller prendre la tête et accélérer le rythme. Allez, c'est chose faite maintenant. Voilà, elle a pris la tête. Le dossard 47, Annabelle Cespedes de Bouguenet, et qui accélère le rythme à 6 tours de l'arrivée. 7 tours, pardon. Qui a creusé un petit peu l'écart. Allez, creuse mètre par mètre. Je sens qu'avec l'Asta, là, on est en train de payer les efforts du début. Et le rythme a grandement ralenti. Est-ce que derrière, on va pouvoir revenir sur la patineuse de l'Asta? Pareil, la Bouguenet qui a fourni son effort. Et on sent que... eh bien, l'effort est beaucoup moins intense. Allez, on fait l'intérieur avec Saint-Sébastien là pour aller retrouver la troisième place, peut-être. Voilà, rattraper la patineuse de l'Asta. Voilà, c'est chose faite. On est revenu dans la roue de l'Asta en deuxième position. Ah, il va rester 3 tours à la patineuse de Bouguenet pour maintenir cet écart à cette première place. Allez, on tente l'intérieur avec Saint-Sébastien, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Et du coup, on en profite avec le R2CP à l'extérieur pour passer. Voilà, où je vois au niveau des têtes hein, que ça serre grandement les dents. Allez, le R2CP qui va tenter à son tour peut-être à l'extérieur pour doubler la patineuse de l'Asta. Alors qu'il va rester un tour et on est en train de revenir mètre par mètre sur la patineuse de Bouguenet là. Allez, la cloche, le dernier tour, l'Asta là qui refournit un dernier effort avec son 257. Allez, pareil pour le 247, allez, les patineuses qui sont à bout, elles donnent tout ce qu'elles ont. Bouguenet, Asta, R2CP, Saint-Sébastien, AM Sport, les Fous de la Roulette. Et le dossard 67, c'est pas 67, 76, pardon, 79, Brétigny-sur-Orge. Magnifique petite finale là également, ça s'est bien battu, ça fait plaisir. Et on va passer à la première petite finale. Donc on aura le dossard 59, Émy Héroux, des cercles des patineurs Livry, un dossard 66, Tara Montfort, 5, du roller 5-1. On aura le dossard 56, Maëva Grandot, de Chablais, dossard 44, Clémence Aubertin, M-Sport, dossard 69, Méline Noël Bosser, du Rox 65, Louane Miquel, Pirac, dossard 73, Anaël Puchard, de Saint-Pierre-les-Elbeuf, dossard 60, Roxane Joss, de Landévent, dossard 45, Nola Bossir, de Conneré, dossard 61, Lola Joujou, de Croco Roller, dossard 72, Zia Payard, Marinier Peton, et dossard 71, Maëlan Padiou, Asta, Nantes. Bah oui, il faut l'enlever.
L'image est revenue. Aïe. Allez, c'est parti pour cette deuxième petite finale. Allez, première petite finale. Et le meilleur départ est pour le Dossard 56. Dossard 56, il s'agit de Maëva Grondo de Chablais. Allez, on est revenu là avec le Dossard 65 en deuxième position. Il s'agit de Pibrac. On a le Dossard 71 également. Allez, on a fait l'intérieur Clastal avec le Dossard 71. On est en quatrième position avec le Dossard 66 de Saint-Quentin. Il s'agit de Tara Montfort. Allez, le rythme là qui est relativement faible. On fait l'intérieur voilà, avec la Clastal pour aller chercher cette première place. Ouh, on a failli partir à la faute. Je crois qu'on a touché un plot du côté de la Star. Alors on va attendre les juges. Hein. 71 voilà, Dossard 71 effectivement de la Star hors course qui s'est pris un poil trop tard et qui n'a pas pu éviter le plot. Dommage pour cette patineuse et du coup on retrouve de nouveau le Dossard 56 en tête. Patineuse de Chablais. Saint-Quentin, AM Sport avec le Dossard 44 qui fait son apparition dans les patineuses de tête Clémence Aubertin. On fait l'extérieur là avec Pibrac pour reprendre une quatrième place avec le Dossard 65 de Pibrac. 65, il s'agit de Louane Miquel. Allez, on fait l'intérieur avec l'Andévent là pour aller reprendre une place. Également avec les patineuses Ivriens et on fait extérieur avec l'AM Sport là avec le Dossard 44 pour passer en tête de ce peloton. Alors est-ce qu'on va vouloir accélérer? Alors pour l'instant c'est pas encore fait, on veut rester aux avant-postes avec la patineuse de Chablais. Voilà, on est resté en tête avec la patineuse de Chablais. Alors pour l'instant Chablais, AM Sport, Saint-Quentin, on fait extérieur avec les patineurs Ivriens avec le Dossard 59 il me semble, ouais c'est ça 59. Ah pareil, on va essayer de prendre la tête de la course. Mais on se laisse pas faire de nouveau avec Chablais. Allez, AM Sport qui a voulu tenter intérieur, mais finalement on s'est rétracté. Et là, on fait l'extérieur avec Saint-Quentin pour aller prendre une troisième place. Allez, de nouveau l'extérieur pour reprendre une place. Allez, peut-être la tête, ça y est, on prend la tête. Avec la patineuse de Saint-Quentin, le Dossard 66 ou 99. Ça doit être le Dossard 66, Tara Montfort, voilà Saint-Quentin et la cloche. On est passé également avec la M-Sport. Allez, le dernier tour, ça va se battre entre la M-Sport et Saint-Quentin. Saint-Quentin à M-Sport, on fait l'intérieur avec Livrien pour prendre la troisième place. L'arrivée, Saint-Quentin à M-Sport, Livrien, Chablais. Et c'en est terminé avec nos Poussy, nos Benjamin, pardon. Nos Benjamin.